C'est cette petite remarque-là. On va faire deux petits calculs. Les intégrales faussement impropres, on a dit, il suffit de regarder le domaine de continuité de la fonction. Elle aura certainement un problème en un point. Mais si on trouve que ça a une limite finie en ce point, elle est prolongeable par continuité. Donc l'intégrale existe. On l'a notamment fait, par exemple, pour cette intégrale-là. Qui était l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n ln de x dx, et on a dit que ça tendait, c'était prolongeable par continuité en 0 dès que n était supérieur ou égal à 1, pas croissance comparée. Mais si maintenant je vous demande de la calculer, cette intégrale-là, le problème c'est que comme elle est impropre à la base, vous n'avez accès à rien, et je dis bien à rien, comme technique de calcul sur cette intégrale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire d'IPP avec la borne 0, vu que vous ne savez pas si la fonction que vous avez primitivée, elle existe encore en 0 ou pas. Vous ne pouvez pas faire de formule de changement de variable avec une intégrale pareille. Vous ne pouvez faire rien du tout. Donc imaginons, et c'est le but de l'exo, maintenant que vous avez le poly, c'est l'exo après la convergence, donc c'est l'exo qui est, c'est le 21. J'ai mis obtenir une relation de récurrence, mais c'est même pas ça, on va la calculer. Si je vous demande de calculer cette intégrale, comment on peut faire? Alors, je vais quand même préciser que si je pose f de x qui vaut x puissance n ln x, on sait déjà que cette fonction est continue, on avait juste vu qu'il y avait un problème en 0. Donc le problème dans l'intégrale, c'est le problème de la borne 0. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là pour pouvoir faire du calcul sur ce genre d'intégrale quand il y a un problème quelque part et qu'on vous demande de calculer la valeur de l'intégrale ou de trouver une relation de récurrence sur les intégrales, ce qui va nous arriver après, on ne fait pas de calcul direct sur l'intégrale elle-même. On va poser une nouvelle intégrale qu'on va par exemple appeler IN epsilon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la borne problématique et on va la remplacer par un nombre, par exemple epsilon, epsilon étant strictement positif et strictement plus petit que 1. C'est-à-dire que sur cette nouvelle intégrale-là, tous les calculs sont faisables. Si on fait des calculs sur cette intégrale-là, on aura un calcul final qui dépendra de epsilon. Et d'après vous, même si on ne l'a pas encore vu, comment est-ce qu'on revient à la valeur de l'intégrale IN ensuite? Si je fais tous les calculs sur IN epsilon, comment est-ce que je vais pouvoir obtenir des choses sur IN à la fin? C'est juste de la logique, hein. Noir. On fait tendre epsilon vers 0. Plutôt que de dire on remplace, c'est plutôt on fait tendre, parce qu'il y a des histoires de limites. Mais on va faire tendre epsilon vers 0. Parce que forcément, la fonction qui est là étant continue, cette intégrale-là existant, bah la limite quand epsilon tend vers 0, ça va bien faire l'intégrale de finale. Donc c'est juste ça c'était juste pour ça que je voulais qu'on en ait fait au moins un. Dès que vous avez à calculer une intégrale faussement impropre, déjà on vous fait justifier qu'elle existe. Une fois que vous savez qu'elle existe, on vous demande du calcul. Il faut revenir à une borne qui existe, enfin, c'est-à-dire une intégrale sur un segment qui existe bien sans problème, et ensuite faire tendre vers la borne qui pose problème. Donc faisons ça ici. Je veux essayer de calculer IN epsilon, du coup, pour après faire tendre epsilon vers 0. Comment je fais pour essayer de calculer cette intégrale-là? Est-ce que c'est une primitive de référence? Non, il y a du x puissance n et du ln, donc c'est pas une primitive, je connais pas une primitive qui mélange les deux. Est-ce que c'est une forme de référence? Et si c'est une forme, laquelle on poserait, laquelle on chercherait? Il n'y a que deux choix raisonnables de forme de référence pour moi qui peuvent avoir lieu ici. Ce serait de poser soit u de x qui vaudrait peut-être x puissance n, soit v de x qui vaudrait ln x. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est les seuls qui auraient vaguement du sens? Si je le fais très très vite, bah, ça fait que ma fonction va v' de x, dans ce cas-là, c'est 1 sur x. U' de x, ce serait du x puissance. Pardon, du n x puissance n moins 1. Ce qui fait que si j'essaye d'écrire ça comme une forme, c'est juste du brouillon, hein, j'essaye de réfléchir au brouillon à ce que ça ferait. D'un côté, ça me ferait du x puissance n fois v prime sur 1 sur x,
V de x dx, ce qui mènerait à l'intégrale de epsilon à 1 de x puissance n plus 1 v prime de x, v de x dx, les termes en x se simplifient pas, ça marche pas, c'est pas une forme de référence comme ça. Et bien sûr, si je tente l'autre en u, ça va faire de la même chose, ça va faire un résultat assez similaire, j'y vais un peu plus vite là. Mais si je force à apparaître le u prime, ça va faire du u de x, u prime de x, et il va me rester ln x sur nx puissance n moins 1 dx. Ce qui n'apporte strictement rien, il n'y a rien non plus. Donc ce n'est pas une forme de référence. Il faut faire ce petit raisonnement vite fait, mais dès que vous vous rendez compte que ça va pas marcher, bah dans ce cas-là, il n'y a plus trop le choix. Faut faire une IPP. Et c'est sûr que ça doit être ça et que ça doit marcher. Maintenant, il reste une dernière question pour faire l'IPP. Qu'est-ce qu'on primitive? Qu'est-ce qu'on dérive? Kautar? Oui, on n'a pas trop le choix encore parce que officiellement on n'a pas de primitive de lnx. Alors je vous rappelle, on sait le faire via une IPP justement, la primitive de lnx et sa primitive c'est x ln x moins x. Mais officiellement c'est pas au programme. Donc oui, on va faire une IPP là-dessus en dérivant ln et en primitivant le x puissance n. Alors on pose donc u' de x qui vaut x puissance n, v de x qui vaut ln x, ce qui donne v' de x qui est égal à 1 sur x et u de x qui vaut du x puissance n plus 1 sur n plus 1. On a bien que u et v sont toutes les deux de classe C1 sur l'intervalle epsilon 1. Et vous voyez du coup le problème, c'est que si j'avais voulu faire une IPP sur mon intégrale impropre, cette hypothèse n'aurait pas été validée parce que cette fonction ln x n'est pas C1 en 0. Donc on a bien ces fonctions qui sont de classe C1 sur ce segment. On peut donc écrire que in epsilon, c'est égal au crochet des deux fonctions. Donc les deux fonctions, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1, l'autre c'est ln x. À prendre entre epsilon et 1 moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai calculées. Donc x puissance n plus 1 sur n plus 1 fois 1 sur x dx. Calculons le crochet. En 1, ln ça fait 0, donc mon crochet il va me rester que du moins epsilon puissance n plus 1 sur n plus 1 ln de epsilon moins l'intégrale de epsilon à 1. Alors, je vais sortir le 1 sur n plus 1 qui ne dépend pas de x devant. Et je vais faire la simplification directement. Il reste quoi dans cette intégrale? À cause du x puissance n plus 1 et du 1 sur x? Ouais, x puissance n. Donc il reste à calculer cette intégrale. Donc bien entendu, l'IPP, comme d'habitude, ne calcule aucune intégrale. Ça transforme une intégrale en une nouvelle intégrale. Sur cette nouvelle intégrale, on se repose des questions raisonnables à chaque fois. Est-ce que c'est une primitive de référence? Oui. Et on la primitive, on a fini le calcul. Donc ça me fait du moins epsilon puissance n plus 1 sur n plus 1 ln de epsilon. Moins 1 sur n plus 1, et ceci, ça se primitive en x puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 1 et epsilon. On a quasiment fini, il n'y a plus qu'à réécrire ça. En 1, ça va me faire du moins 1 sur n plus 1 au carré. En epsilon, ça va me faire du plus epsilon puissance n plus 1 sur n plus 1 au carré. Voilà pour ce calcul de in epsilon. Maintenant, il faut faire tendre ça quand epsilon tend vers 0. Alors clairement, ce terme-là, il n'est pas très très compliqué. Quand epsilon tend vers 0. N est fixe, hein. C'est epsilon qui tend vers 0. Ça tend vers 0, il n'y a rien de méchant. Ce terme-là, quand epsilon tend vers 0, ouais, il ne dépend pas de epsilon, donc il tend vers moins 1 sur n plus 1 carré. C'est une constante vis-à-vis de epsilon, entre guillemets.
Et voilà le seul point où il faut un petit argument. Cette quantité-là, ça va tendre vers quoi quand epsilon tend vers 0? Et pourquoi? Oui, c'est de la croissance comparée, Samy, ça tend vers 0 par croissance comparée. Donc on a que notre intégrale in epsilon tend quand epsilon tend vers 0, en fait vers notre intégrale qui était à nous in, équivaut donc moins 1 sur... moins 1 sur n plus 1 au carré. Donc on a calculé quand même l'intégrale qui était faussement impropre, mais pour pouvoir la calculer, on a dû revenir à une intégrale intermédiaire pour pouvoir le faire. Tiens, j'ai bouclé mon sujet de concours blanc, je vous confirme qu'il n'y aura pas d'intégrale impropre à ce DS là. Enfin, pas d'intégrale faussement impropre ou quoi que ce soit. Voilà. On arrête à prolongement, enfin potentiellement prolongement par continuité. Il n'y aura pas d'intégrale faussement impropre. Oui, Yanis? Parce que l'intégrale, elle est impropre en 0. Ln de 0, ça n'existe pas. Non, c'est parce que ln de 0 n'existe pas, cette fonction n'est pas continue en 0, l'intégrale n'existe pas. On l'a faite mardi, hein, cette intégrale-là. Ou jeudi, je ne sais plus. Pardon? Les DS d'avant les vacances, je vous les rends lundi. Je suis en retard de 5 minutes parce que je voulais les finir avant de venir et il me reste 4 copies. Je suis un peu frustré. Non, j'ai pas fini, mais oui, lundi sans faute, vous les avez. Mais si vous les avez rendus là, c'était les copies avec les remarques et j'aurais pas eu le temps de faire le public postage des notes pour avoir vos petits papiers avec vos notes et vos points par case comme d'habitude. Donc vous aurez ça. J'ai plein de vieilles copies qu'il faut que je vous rende, mais que je prends même plus sur moi tellement le paquet est lourd et il faut que je voulais le faire lundi. Je l'avais pris le paquet lundi et j'ai oublié de vous les rendre encore une fois. Et ça, je vous le laisse, je vous le promets pas, mais potentiellement, normalement, j'aurais même fini vos derniers DM que je vous ai pas rendus. Le DM 8, il est pas rendu. Mais celui-là, il n'est pas fini de corriger. Voilà pour cet exercice-là. On vous avait enfin les polis, on va pouvoir avancer sur la notion lourde du chapitre. Ce sont juste des définitions qu'il faut apprendre. Ces définitions, quand on comprend le principe, et donc je vais essayer de vous faire comprendre le principe, elles sont simples, parce qu'en fait, il y a juste à comprendre la logique de la définition et ce que c'est que trois voisinages moralement. Et quand on a compris ces trois voisinages, on a tout compris. Sinon, il y a 12 définitions à apprendre si on ne comprend pas la règle et les trois voisinages, quoi. Alors, l'idée, c'est qu'on va arrêter de mettre des choses sous le tapis. On va définir proprement ce que c'est qu'une limite. Donc, ça veut dire quoi qu'une suite tend vers plus l'infini en plus l'infini? Ça veut dire quoi qu'une fonction tend vers 2 quand x tend vers 1? Qu'est-ce que ça veut dire que toutes ces notations de limite? Pour ça, je dois mathématiquement vous définir ce qu'on appelle la notion de voisinage et voisinage d'un point. Alors ça, c'est pas très très compliqué, mais c'est une définition, il faut la connaître, il faut comprendre. Hop, on va remonter au début du coup. Alors, ça va vous paraître très bête, mais ce qu'on appelle le voisinage d'un réel, c'est un intervalle. Alors, je l'ai écrit fermé, on peut aussi l'écrire ouvert, c'est pas gênant. Mais un voisinage autour d'un réel L, c'est un petit intervalle ouvert ou fermé qui contient L. Mais cet intervalle, il n'est pas réduit à un point. Il a une certaine largeur, cet intervalle. Là, la largeur, j'ai décidé de l'appeler epsilon, et epsilon, c'est un nombre strictement positif. Mais par contre, epsilon peut être aussi petit que je veux. Si epsilon, c'est 1 sur 10 puissance 10 millions, c'est un nombre petit qui n'a pas de sens physique tellement c'est petit, mais pour moi, ça va quand même me créer un voisinage autour de mon réel L. Donc mathématiquement, le voisinage d'un réel, c'est un tout petit intervalle ouvert autour de ce point.
C'est quoi un voisinage maintenant de l'infini? Ça, c'est un concept un peu particulier, mais c'est pas très très compliqué non plus au final. Alors, il manque un mot dans le poly, je viens de m'en rendre compte, c'est semi-ouvert, excusez-moi. Alors, il y a un problème dans mes mots, c'est soit on met intervalle ouvert, mais dans ce cas-là, on est obligé d'ouvrir en M ici. Soit on met semi-ouvert et on ferme en M, et bien sûr, comme d'habitude, on est obligé d'ouvrir. En plus, semi-ouvert, bien sûr, ou il est en même temps semi-fermé. Enfin, c'est la même chose. C'est quoi un voisinage de plus l'infini? Alors, on va faire un graphe pour essayer de résumer. Si je veux m'approcher en abscisse d'un point L, par exemple, bah, ce que j'ai dit, c'est qu'un voisinage de L, c'est un petit intervalle. On va se donner une largeur epsilon autour de L, mais un voisinage de L, bah, c'est cet intervalle-là. C'est un petit morceau autour de L. Comment on peut se rapprocher de l'infini? Ça n'a pas de sens. Cette flèche, vous êtes d'accord, je peux aller là, on peut dire que c'est proche de l'infini. Mais je peux aussi aller là, je peux aussi... Et où est-ce qu'on va l'écrire? On voudrait faire quelque chose similaire à la hachure rouge, mais est-ce que vous êtes d'accord que ce serait un truc qui serait perpétuellement en train de glisser? Ça n'aurait pas de sens. Donc ce qu'on a dû faire, c'est dire, bah, on va juste se donner une borne. On va, cette borne, par exemple, on va l'appeler M. Et ce qu'on va appeler le voisinage de l'infini, c'est bah, c'est tout ce qui est derrière M. Ça, c'est un voisinage de plus l'infini. Et si je vous crée un voisinage de moins l'infini, bah, je me donne un autre réel M' ici. Et tout ce qui serait à gauche de M' serait un voisinage de moins l'infini. Donc, se donner un voisinage d'un infini, c'est se donner un réel M qui me définit mon intervalle. Se donner un voisinage d'un réel L, c'est se donner un pas epsilon et de se dire je me mets à telle distance de ce pas epsilon. Ok. Ça veut dire quoi avoir une limite? Ça veut dire quoi qu'une fonction f de x tend vers L quand x tend vers x0? Comme j'ai dit, on va devoir écrire ça avec 12 définitions différentes. Mais donc, ce n'est pas une vraie définition propre mathématique que je vais vous donner là. Ça veut dire que ce symbole-là est vrai. Alors, je vais faire un vrai dessin à côté pour essayer de le comprendre, mais avec un x0 réel et un L réel. Mais bah non, par exemple, il suffit de faire un graphe. Ça va être plus simple de le faire si je vais vers l'infini, par exemple, pour vous faire comprendre. Par exemple, dans mon exemple ici, x0, ce serait plus l'infini. Et imaginons que je donne une valeur à ça, ça vaut 2. Et L, ce serait l'équivalent de mon 2. Ça veut dire quoi avoir une limite? Ça veut dire commencer par se donner un voisinage de l'élément à l'arrivée. Donc ça, en fait, f de x a une limite L. Ça veut dire pour tout voisinage. De l'arrivée, donc ici pour nous, de l'arrivée L, mais ce sera adapté à chaque fois. Donc on va se donner n'importe quel voisinage. Donc c'est-à-dire que je vais me prendre un voisinage de L ici, c'est 2 mon L, donc c'est un réel. Se donner un voisinage de L, c'est se donner une barrière epsilon autour de L. Donc je me donne un epsilon quelconque, celui-là par exemple. Mais ça doit être vrai quel que soit L, donc... Je crée un voisinage à l'arrivée. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'un voisinage à l'arrivée, de la même façon que j'avais hachuré comme ça, entre guillemets, mais sur l'axe réel dans l'autre sens, ici, vu que c'est en ordonnée, c'est un tube. Mon voisinage, moralement, c'est l'ensemble des valeurs qui sont comme ça en ordonnée. Ben, ce que je veux dire, c'est que pour tout voisinage à l'arrivée, je veux qu'il existe. Il existe un voisinage du départ. Ici, mon départ, c'est x0.
Alors, dans mon exemple, moi, mon x0, c'est un voisinage de plus l'infini. Je veux trouver qu'il existe un voisinage de plus l'infini pour lequel... Alors, je vais leur donner des noms, sinon ça va pas être clair. Pour tout voisinage de l'arrivée L, VL, il existe un voisinage de départ, du départ x0, VX0, pour lequel... Quel que soit x appartenant au voisinage de x0, f de x doit appartenir au voisinage de L. C'est ça, c'est vraiment ça la notion de limite. Alors si on prend mon dessin, est-ce que quelqu'un voit quel est entre guillemets le meilleur voisinage qui existe et qui vérifie ça? Bah, c'est à peu près si je me donne une barrière M qui est... Ici, est-ce que vous êtes d'accord que à partir de cette valeur de m là, toutes les valeurs suivantes en x de ma fonction sont bien dans mon tube? Et donc vous comprenez bien ce qui se passe. Si je change le tube, imaginons que maintenant je prends un deuxième tube avec un autre epsilon, donc un truc beaucoup plus petit. Donc ça, c'est un tube beaucoup plus petit, bah ça change. Le voisinage m vert que j'ai mis ne suffit plus pour être le voisinage qui convient au nouveau tube. Par contre, je peux retrouver un nouveau voisinage qui serait celui-là. Vous êtes d'accord? Donc, le fait de dire que cette fonction tend vers 2 à plus l'infini, ça veut dire que quel que soit le tube que je vais prendre, je dois toujours être en mesure de trouver un tube qui va marcher derrière en abscisse. Et ça vous montre bien ce qui ferait que, par exemple, si on voudrait faire cette preuve sur un truc qui n'est pas 2, ou si ma fonction ferait ça en plus l'infini, on sait très bien qu'elle n'a pas de limite. Et donc imaginons qu'on voudrait prouver que la valeur ici au milieu soit une limite. Bah, dans ce cas-là, moi c'est très facile, je vais vous prendre un tube tout petit. Alors mon dessin est mal fait, mais je fais un tube tout petit autour. Est-ce que vous pouvez me trouver un voisinage qui serait de cette forme-là, c'est-à-dire je donne une barrière et je prends toutes les valeurs derrière, pour lequel toutes les valeurs sont dans le tube rouge? Non, parce qu'à chaque fois, elle va redescendre en dessous du tube, vous êtes d'accord? Bah ça nie le fait que ma valeur violette est la limite de ma suite, enfin de ma fonction même. Ça, c'est qu'elle a pas, enfin, elle a pas de limite, ou en tout cas, ceci n'est pas sa limite. Donc c'est ça qui définit proprement la notion de limite. Alors pourquoi il y a 12 définitions? Bah parce que on doit voir ça avec la notion de suite, la notion de fonction. Mais moralement, je vous ai donné trois types de voisinage: moins l'infini, réel, plus l'infini. Donc si maintenant je fais varier ici x0 et l, je peux vous mettre trois types de l différents, vous êtes d'accord, selon que c'est fini, plus l'infini ou moins l'infini. Je peux vous mettre pour x0 trois types d'éléments différents, ce qui vous fait déjà combien de limites ça? 9. Pour chaque variation en bas, je peux mettre chaque variation en haut. Donc il y en a 9, et à de ça, on va en ajouter 3. En fait, c'est les mêmes que la notion de fonction. Une suite un, je vous l'ai déjà dit, c'est comme voir une fonction u de n. Et donc on pourrait voir quand ça tend vers L, enfin que ça tend vers une limite L. Par contre, il y a un truc qui est fixé pour une suite. C'est que l'asymptotique pour une suite, c'est toujours quand n tend vers plus l'infini. Il n'y a pas le choix pour une suite. Donc il n'y a pas de variation là-dessus. On est à tout le temps n qui tend vers plus l'infini. Et donc ici, il reste les trois types de limites possibles. Ici, que ce soit plus l'infini, moins l'infini ou un réel. Donc au total, ça fait bien 12 définitions différentes. Donc il faut les voir, il faut les écrire, c'est tout. Dernière chose, et on peut se lancer dans l'écriture des définitions ou pourquoi elles s'écrivent comme ça. Juste pour un voisinage de l'infini entier, se dire qu'il existe un voisinage pour les suites, notamment ça va nous jouer pour les suites. N tend vers plus l'infini, un voisinage de l'infini
Est-ce que je vais le noter avec un réel m qui va de m jusqu'à plus l'infini avec m un réel quelconque? Si je suis sur des suites, si j'essaie de vous faire un graphe qui serait celui-là. Par exemple, pour montrer que ma suite tend vers 2, je ferai un graphe, je fais les points de ma suite, hein, je trace U0, U1, U2, U3, U4, U5, etc. Ça fait des points comme ça. Et si ma limite, c'est le nombre qui est là, je fais des magnifiques traits droits, c'est génial. Et si je me donne mon fameux tube epsilon autour, là, la question c'est, je dois trouver un voisinage de l'infini pour lequel toutes les valeurs de ma suite sont dans le tube. J'aurais dû les écarter un peu. Mais est-ce que vous êtes d'accord que le meilleur qu'on pourrait faire, c'est ici, de voisinage du bas pour que tout soit dans le tube? Et le meilleur, du coup, c'est pas un réel m quelconque que je choisis ici, hein. Je vais m'arranger pour que ce réel m, ce soit un certain rang grand n de ma suite. C'est-à-dire que pour une suite, mon voisinage de plus l'infini, je ne vais pas le définir par rapport à un réel m, mais plutôt par un entier grand n, un rang à partir de laquelle, duquel la suite vérifie quelque chose. Mathis, si tu enlèves ton masque, tu sors de ma salle définitivement, on est d'accord? C'est insupportable, c'est à tous les coups. Donc voilà ce qui va changer, c'est juste que le voisinage de l'infini, on va le définir par rapport à un rang. Allons-y. Donc prenons le poly. J'ai pas fait tous les petits graphes à compléter, on va les faire ensemble. Montrons. Définissons ce que ça veut dire qu'une suite tend vers une limite L quand n tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout va bien? Oui. Alors, ça veut dire quoi qu'une suite tend vers L? Bah, c'est le graphe que j'ai fait au-dessus mais qu'on va refaire. Donc si je crée ma limite L qui serait mon réel qui serait là quelque part. Je vais dire quoi? Je vais dire quel que soit le voisinage de ce réel L à l'arrivée. Donc ce que je vais vous la traduire, on va voir pourquoi ça donne ça à la fin. Je vais mettre pour tout voisinage de L. Donc je vais me donner une barrière epsilon ici. Epsilon ici. Je vais dire pour tout voisinage de L, je veux qu'il existe un voisinage de plus l'infini. C'est ça que je vous ai expliqué. Tel que pour tout n, vu que c'est une suite, ça va être pour tout n appartenant au voisinage de plus l'infini, un appartient à VL. C'est ça la définition d'une limite. Sauf qu'on va pas l'écrire comme ça, parce que je vous ai pas dit, il faudrait écrire aussi soit VL, un voisinage de L, soit V infini, un voisinage de plus l'infini. Est-ce qu'on est tous d'accord que ce qui joue le rôle du meilleur, entre guillemets, c'est il faut juste qu'il en existe un, il n'y a pas besoin que ce soit le meilleur. Ceci, si je mets une barre ici verticale, je vais pas le faire, mais si je mets une barre ici, ça convient aussi comme voisinage. Mais est-ce qu'on est tous d'accord que le meilleur voisinage, c'est celui-ci? Donc ça correspond à un certain rang N. Ce rang n, là c'est moi qui fais du zèle, dans un bouquin vous verrez pas ça. Mais est-ce que vous êtes d'accord que si je change epsilon, le rang n à partir duquel je vais trouver mon voisinage va changer?
Si je change la largeur du tube, je suis où? Si je change la largeur du tube, la position du nombre n va changer. Donc le nombre n dépend de epsilon, forcément. C'est juste ça. Oui, Samy? Oui. Oui. Ouais. Non, c'était juste pour dire que là c'était une limite en plus l'infini. On va faire les 12 définitions, ça va être naturel. Alors, comme vous voyez, ce qui est écrit en définition n'est pas ce que je vous ai écrit en dessous. Parce que ce qu'il faut rajouter et ce qui donne la bonne définition, et c'est ça qu'il faut apprendre, donc c'est vraiment c'est la propriété de limite, c'est pour tout voisinage à l'arrivée, il doit exister un voisinage au départ, pour lequel si les éléments au départ sont dans le voisinage de départ, les éléments d'arrivée sont dans le voisinage d'arrivée. Ce que j'ai écrit qui est très bête. Mais maintenant, ici, L est un réel fini. Se donner un voisinage de L, c'est donc se donner une largeur, ce que j'ai fait en graphe, une largeur epsilon autour de mon L. Donc en fait, au lieu de définir pour tout VL, je vais plutôt dire, ce qui revient à la même chose ici, pour tout epsilon strictement positif. En me donnant un epsilon strictement positif, je suis bien en train de me dire, sans l'écrire, un voisinage de L. Donc pour tout epsilon strictement positif, je veux qu'il existe un voisinage de plus l'infini. Mon voisinage, il est défini par mon rang n epsilon. Donc ce que je vais plutôt dire, c'est il existe un rang n epsilon appartenant à grand N. Ça va me définir mon voisinage de départ, tel que quel que soit n appartenant à V epsilon. Donc ce serait, je vais le traduire en deux temps, mais ce serait pour tout n appartenant à n epsilon plus l'infini. Vous êtes bien d'accord avec ça? Je veux que, ça traduit cette partie-là, si j'avais encore écrit une autre couleur, tiens, je vais réécrire ça en bleu, juste pour qu'on ait chaque morceau, et j'aurais dû dans ce cas-là réécrire ça en rouge. C'est juste pour que vous compreniez tous les morceaux. Je veux que UN appartienne à l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. C'est ça mon voisinage de l'arrivée. Alors vous allez dire, mais c'est pas encore la définition qui est dans le poly là-haut. Non, mais c'est la même chose. Ça veut dire quoi que N appartient, maintenant c'est juste une traduction de ça, ça veut dire quoi que N appartient à l'intervalle N epsilon plus l'infini. En termes d'inégalité, si je veux écrire une inégalité là-dessus, je vais plutôt écrire pour tout N supérieur ou égal à N epsilon. Et ensuite, UN est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Ça, c'est une traduction juste parce que c'est pratique mathématiquement. Ça se traduit par la valeur absolue de UN moins L est inférieur ou égal à epsilon, mais c'est la même notion que juste au-dessus. Dire que UN est dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, si on a besoin de faire des calculs dessus, c'est plus pratique de l'écrire UN moins L en valeur absolue est plus petit que epsilon. Il faut savoir écrire la définition d'une limite si on vous la demande. Et on va voir que pour certains exos, c'est obligatoire de connaître ça pour pouvoir conclure à la valeur de la limite. C'est rare. C'est pas les exos les plus simples, c'est les choses un peu plus dures, mais il y a quand même des situations. On va voir un exo qu'on a fait en début d'année, qu'on sait à peu près faire, mais on n'avait pas été jusqu'à la limite, avec une suite implicite, où je ne sais pas vous faire prouver la limite sans utiliser cette définition-là. Alors, en général, comme c'est des choses assez dures, on va le voir dans plein de sujets, c'est écrit en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a une question qui vous fait écrire quelque chose pour vous faire écrire moralement la définition de la limite. C'est-à-dire qu'on vous fait écrire des quantificateurs pour écrire la définition de la limite. Et à la question d'après, on vous demande qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire. Et donc, si vous connaissez votre définition de la limite, vous pouvez dire ce que je viens de prouver, c'est que UN tend vers L. Alors, est-ce que ça vous va pour cette première définition? Je ne vais pas mettre autant de temps sur les autres. Hein. C'était juste pour vous bien vous détailler dans un cas. On va en refaire une ou deux un peu plus lentes.
Mais après, on va accélérer. Notamment, cette notion de limite, elle est encore beaucoup plus utilisée pour vous sur les suites que pour les fonctions. Donc, je vais encore détailler un peu les deux autres exemples de suites, mais après, pour les fonctions, on va aller un peu plus vite. Ok, allons-y, c'est parti. On a fait la limite quand ça tend vers L d'une suite. Faisons maintenant la limite en plus l'infini. Alors faisons des dessins assez généraux hein, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Une suite qui tend vers plus l'infini, c'est pas forcément une suite monotone, hein. Donc ce serait par exemple une suite qui fait ça. Une suite qui croît, qui croît, qui croît, et puis non, elle en a marre, elle redescend, puis elle remonte, puis elle en a marre. Mais est-ce que vous êtes d'accord que même si elle continue son procédé comme ça, au bout d'un moment, elle va aller vers plus l'infini? D'un point de vue graphique, ça ne nous gêne pas. Que dit la définition? Je veux prouver que la limite, c'est plus l'infini. Donc je dois me donner n'importe quel voisinage de plus l'infini. Donc un voisinage de plus l'infini, c'est se donner un réel m et prendre toutes les valeurs au-dessus en ordonnée. Donc là, je vais prendre un m ici. Et mon voisinage de plus l'infini, c'est toutes les valeurs qui sont... Est-ce que vous êtes d'accord que mon voisinage de l'infini de l'arrivée, c'est ça? Donc je me donne mon voisinage de l'arrivée, je veux trouver un voisinage au départ, donc un voisinage de l'infini aussi, mais basé sur des valeurs de suite, à partir duquel toutes les valeurs sont en dessous. Est-ce qu'on est d'accord que ici, ce qui jouait le rôle de mon rang n, ce serait celui-là? Et donc attention, comme tout à l'heure, si je change la valeur de m, je change la valeur de n, ce rang n dépend bien du réel m. Donc je l'indique en m, ce que vous ne verrez pas dans un bouquin de maths, mais c'est pour que vous compreniez qu'il dépend de m. Et donc, je vais écrire ma définition qui n'est pas très très compliquée. Pour tout voisinage de l'infini, je veux qu'il existe un voisinage de l'infini, tel que si... Alors, je peux pas, ils ont le même, il faut que je donne V prime, enfin V infini prime, tel que si n, vu que c'est là-bas, appartient à, je devais pas l'écrire en noir pour encore faire, si n appartient à V infini prime, j'ai dans ce cas-là ma suite UN qui appartient à V infini. Alors, je vais un tout petit peu plus vite. Ça se traduit par un voisinage d'infini, bah pour tout m appartenant à R, oui, un voisinage de plus l'infini, ça peut commencer à moins 10 000. C'est très très bête, mais du moment que je prends les valeurs de moins 10 000 jusqu'à plus l'infini, c'est un voisinage de plus l'infini. C'est un mauvais voisinage de plus l'infini, mais c'est un voisinage de plus l'infini. Donc c'est quel que soit m appartenant à m, à R, pardon, je veux trouver un voisinage de plus l'infini, mais pour les suites. Donc je vais dire, il existe un rang nm, appartenant à grand N, lui, tel que si N est dans le voisinage de plus l'infini, donc c'est plutôt si N, mince, j'ai effacé trop, si N, alors je le refais une dernière fois avec mes intervalles, mais si M est dans l'intervalle NM plus l'infini, UN est dans l'intervalle M plus l'infini, ça dit ça. Mais encore une fois, d'un point de vue calculatoire, c'est pas pratique de montrer des appartenances à des intervalles. Il vaut mieux utiliser des inégalités. Donc ce truc-là peut se recopier n plus grand que nm. Et ce truc-là peut se recopier, je veux que un soit plus grand que m. Et là, vous vous retrouvez avec exactement cette ligne-là. Il me manque un pour tout, excusez-moi. J'ai oublié de recopier mon pour tout ici. Oui, Marie. C'est le rang de la barrière qu'on s'est fixée. Voilà. C'est exactement ça. Oui, Samy.
sans que tu t'aies mis la moindre contrainte sur la valeur m. C'est-à-dire qu'il faut que m soit quelconque. Mais je suis d'accord avec toi, si tu arrives à trouver un rang à partir duquel elle est capable de franchir n'importe quelle barrière m, tu as prouvé qu'elle tend vers plus l'infini. Est-ce que ça prouve? En fait, il y a des propriétés qu'on vous donne en lycée sur les suites qui sont naturelles et que vous ne réfléchissez pas. Mais maintenant qu'on a cette définition, on peut les prouver proprement. Une suite qui va vers plus l'infini, elle ne peut pas être bornée. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir une limite dans un sens ou dans l'autre. Parce que sinon, si elle était bornée, il y aurait une certaine barrière elle qu'elle ne franchirait jamais. Vous voyez, des petites choses bêtes. Quand vous dites, bah oui, ça va vers plus l'infini, c'est pas borné. Mais on pourrait le prouver bêtement et simplement en écrivant la définition de la limite et en disant, bah non, elle peut pas être bornée. Enfin, tôt ou tard. Alors, ça dépend ce que tu fais et ce que tu as, mais... ce serait pas de l'absurde, ce serait une preuve, c'est juste une preuve tordue, mais si on arrive à montrer que le rang de la suite, qu'on arrive à dépasser n'importe quelle valeur de m, c'est pas tu prouves par l'absurde, c'est tu prouves la limite en revenant à la définition de la limite. C'est juste ça. On fera un exemple dès qu'on aura fini toutes les limites. Continuons. Maintenant qu'on a fait un qui tend vers plus l'infini, un qui tend vers moins l'infini. Oui, c'est un peu redondant, hein, ces notions de limite. Hein. Je vais aller un peu plus vite sur le dessin. L'idée, c'est que vous compreniez, mais c'est pas de faire de passer d'un temps infini. Si une suite va vers moins l'infini, elle fait comment? Bah là, on va la faire bien décroissante comme il faut pour pas s'embêter. Voilà une suite qui va vers moins l'infini. Je vais donc me donner une barrière M quelconque. Par exemple, cette barrière M là, mon voisinage de moins l'infini, c'est tout ce qui est en dessous de M. Je dois trouver un rang, donc le rang il est ici. Ça c'est NM. Et à partir de là, toutes mes valeurs sont bien dans mon voisinage en ordonnée. Et donc je vais aller un tout petit peu plus vite. Alors, comme je vous ai mis la propriété de cours, mais... Je dois donc dire quel que soit le voisinage à l'arrivée. C'est un voisinage d'un infini. Donc je vais me donner encore une fois un quel que soit M appartenant à R. Je dois trouver qu'il existe un voisinage au départ. Comme c'est une suite, c'est aussi un voisinage mais de plus l'infini. Je vais donc me dire qu'il existe un rang NM appartenant à grand L tel que quoi. Je veux que si on est dans le voisinage du départ, donc quel que soit N appartenant au voisinage au départ, donc à nm plus l'infini, j'ai forcément un qui appartient au voisinage qui est, oh je l'ai mal fait, moins l'infini jusque m. Ce qui se retraduit, si on veut des inégalités, par pour tout n supérieur ou égal à nm, on a un qui est plus petit que m. Bon, bah plus que 9. Je vais peut-être pas vous refaire un graphe pour tous. Les graphes de fonctions qui tendent vers plus l'infini, c'est la même chose. On va refaire tous les graphes quand on tend en un point réel, par contre. Parce que ça, on l'a pas fait. Allons-y. Hop là. Alors, on commence par la plus nouvelle, la plus générale, la première ici. Ça veut dire quoi qu'une fonction est, f de x tend, quand x tend vers x0 avec x0 un réel, vers L un réel. Ce qui est tout bête. Ce qui veut juste dire qu'on cherche à essayer de justifier la notion de limite. Quand par exemple on a une fonction f, et je vais faire exprès de faire un truc un peu tordu pour vous faire comprendre ce qui se passe. Comment je fais? Comment je fais ça?
Je fais une fonction horrible comme ça, une fonction qui, elle vit sa vie, elle explose. Ensuite, elle repart comme ça. Ça pas trop, enfin bon, c'est pas très très grave, mais bon, c'est parce que j'aime pas cette définition de votre programme, mais on va faire avec. Et on va aller regarder, ça veut dire quoi? Un truc très très bête, hein, mais que cette fonction en x0, elle tend vers L. C'est-à-dire un graphe bien compliqué pour aller voir ce qui se passe là-bas, à un point où il n'y a rien de très intéressant. Mais c'est pour essayer de vous faire un graphe un peu général. Donc quel que soit le voisinage de l'arrivée, ici je suis en un réel L, donc je dois me donner une largeur epsilon et prendre un tube comme ça. Et dans ce cas-là, je veux trouver un voisinage de x0, du point qui est là, pour lequel toutes les valeurs sont dans mon tube violet. Alors je vais en faire deux de voisinage, c'est juste pour vous faire comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord que les limites de mon tube violet en termes de valeur, c'est ici en bleu et de l'autre côté, c'est ici? Est-ce que vous êtes de... Enfin bon, c'est peut-être pas très très visible avec en plus les couleurs passent mal. Je vais pas faire du bleu, je vais faire du orange. Est-ce que vous êtes d'accord que la borne, elle est ici d'un côté et ici de l'autre? Le problème, c'est qu'avec la définition que je vous ai donnée d'un voisinage d'un réel, c'est symétrique d'un côté et de l'autre. Donc là, c'est pas symétrique, il y a un réel où c'est beaucoup plus grand que de l'autre, vous êtes d'accord? Donc on prend lequel des deux, le plus petit ou le plus grand, pour faire un voisinage symétrique? Bah, pour que ça marche et que toutes les valeurs soient bien dans le tube violet, je vais définir mon réel. Alors, j'ai déjà pris un premier epsilon, donc je ne peux pas l'appeler epsilon celui-là. Donc celui-là, en général, on va l'appeler alpha. Et dans ce cas-là, bah, je peux me donner ma borne alpha des deux côtés. J'ai bien mon voisinage ici en vertical. Mais en fait, il n'est pas donné. Il aurait pu s'étendre plus loin d'un autre côté, mais ce n'est pas mon intervalle symétrique. Deuxième chose, il y a un deuxième problème. Alors pas vraiment, c'est faux, mais votre définition du programme, c'est celle-ci, donc je vais la prendre. Il pourrait y avoir un problème que la fonction serait juste pas définie en un point au milieu. Si votre fonction explose comme je vous l'ai fait, ça pose pas de problème parce qu'elle va forcément sortir du voisinage. Mais elle pourrait ne pas être définie. Donc je suis obligé de rajouter une contrainte. La définition simple et qui marche tout le temps. Je vous assure qu'elle marche tout le temps, il suffit de prendre le voisinage suffisant. Mais qui n'est pas celle au programme, c'est de dire, bah pour tout voisinage, tiens, je vais effacer ça parce qu'en fait, on va faire une définition à la fois, ça ira très très bien. J'ai pas le droit de l'effacer. Bon, comme j'ai fait qu'une seule image, c'est pas très très grave. Mais est-ce que vous êtes d'accord si je veux écrire quelque chose du type, je vais écrire au-dessus, tiens. Pour tout voisinage de L, il existe un voisinage de x0 tel que quel que soit x appartenant à V de x0, f de x appartient à VL. Ceci deviendrait, pour tout epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif tel que pour tout x appartenant à x0 moins alpha, x0 plus alpha, f de x appartient à L moins epsilon, L plus epsilon. Ça veut juste dire ça. Alors regardez la définition, quelle lourdeur on a rajoutée, je suis obligé de vous la donner. C'est comme je vous l'ai dit, il serait possible que votre fonction ne soit pas définie en un point. Si c'est ça, je ne suis pas sûr que j'ai le droit de calculer f de x. Alors moi j'ai envie de dire que c'est faux, parce que si vous prenez un voisinage en x0 qui est assez petit, votre fonction, elle sera définie à ce point-là, c'est obligatoire. Encore une fois, vous prenez un intervalle de 10 puissance 1 sur 1, puis sur 10 puissance 10 000 autour de votre valeur, il n'y aura pas de point où elle n'est pas définie. Mais le programme nous fait rajouter que si elle est définie sur i,
Pour le voisinage en x0, ce qui est vraiment au programme, c'est que c'est l'intervalle que je vous ai mis, mais inter i. C'est-à-dire qu'il faut priver cet ensemble-là des points où la fonction n'est pas définie. C'est la définition officielle, je vous l'ai écrit dans le poly, hein, mais si vous retenez juste ce que je vous ai écrit là-haut, pour moi ça me va très très bien. Donc la version résumée, la version pratique, c'est que pour tout epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x moins x0 plus petit que alpha, f de x moins l est plus petit que epsilon. C'est un peu lourd, mais c'est ça la définition de la limite en un point. Continuons avec la limite en plus l'infini. Là, on va vraiment aller plus vite. Alors là, c'est une limite de plus l'infini en x0. Je le remets. 2 minutes. C'est une traduction successive de ce que ça veut dire être dans un voisinage, hein, ce qu'on a déjà fait plusieurs fois. Il n'y a rien de très intéressant là-dedans. Allons-y. Alors, en plus l'infini. En x0, la fonction tend vers plus l'infini. Voilà ce genre de graphe qui peut se passer. Alors forcément, elle doit exploser du coup, mais ça fait un graphe qui est de ce type-là. On va se donner une barrière M de plus, un voisinage de plus l'infini. Donc on va se donner une barrière M ici, clac clac clac. On va se donner un voisinage ici en epsilon autour. Ah non, on se le redonne en alpha dans les notations du programme. Donc on va se redonner un petit alpha autour pour lequel, oh magie. Ouais, mon alpha il est un peu grand. Pour lequel toutes les valeurs sont bien là au-dessus. Et on va pouvoir écrire, et là je fais plus de zèle, on l'écrit directement, que quelle que soit la barrière A appartenant à R, ici c'est A, mais si je veux être cohérent vis-à-vis de ce que j'ai mis dans mon graphe, ce serait du M. Pour tout M appartenant à R, il existe un alpha, tel que pour tout X appartenant à X0 moins alpha, X0 plus alpha intersecté avec l'intervalle, F de X est plus petit, plus grand que M. Pas grand chose, hein, c'est juste comprendre le graphe, comprendre ce qui se passe. Finissons ça. On a fait ces deux-là. Faisons les. Hop. Je vous ai même pas laissé la place pour le graphe de moins l'infini. Parce que le graphe de moins l'infini, si vous voulez le faire, c'est le même que l'autre, sauf qu'au lieu d'avoir la tête en haut, on met la tête en bas, voilà. Mais c'est la même définition. Pour tout. Alors je peux le reprendre comme tout à l'heure, pour tout M appartenant à R, il existe un alpha, tel que pour tout X dans l'intérieur dans le voisinage autour de x0, f de x est plus petit que m. C'est la même définition. Écrire ensuite que f de x tend vers l en plus l'infini, c'est faire un graphe de ce genre-là. Où votre valeur de l, ce serait ça. Encore une fois, il faudrait prendre un petit intervalle autour de epsilon. Et votre meilleur voisinage que vous pourriez trouver ici, ce serait quelque chose de ce type-là. Ce sera à partir d'ici. Et encore une fois, si je veux noter ça M pour être cohérent niveau notation, mais là c'est les notations du programme, on dit que F tend vers L quand X tend plus l'infini, si pour tout epsilon strictement positif, il existe un M appartenant à R, tel que pour tout X, plus grand que m, f de x moins l est plus petit que epsilon. Autre situation qu'on n'a pas du tout encore rencontrée, une fonction qui tend vers l'infini à l'infini.
Donc il faut se donner une barrière M ici, encore une fois, enfin, la barrière M elle va être donnée ici. Là, on va être obligé du coup de se donner un certain A en vertical ici. Et ça donne pour tout M, il existe un A tel que pour tout X plus grand que A, F de X est plus grand que M. Il n'y a rien de très 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 méchant là-dedans. Dire qu'une fonction tend vers moins l'infini en plus l'infini, c'est faire un graphe qui fait ceci encore. Donc si je me donne une barrière, encore une fois, M verticale et que je prends mon intervalle comme ça, c'est vrai que j'aurais pu préciser que mon intervalle ici il était comme ça et que celui-là il était comme ça. Bah, je vais trouver une valeur qui serait ici A et qui va me donner mon intervalle qui est comme ça. Et donc ça me donne bien du pour tout M, il existe à A et c'est pour tout X plus grand que A, F de X est plus petit que M. Ensuite, on fait une fonction qui tend vers un réel L en moins l'infini. Donc par exemple une fonction qui fait ça. Hop. Donc ceci, ce serait notre réel L. Mon voisinage de L, ce serait un tube ici autour. Et donc ce qui jouait le rôle en abscisse du voisinage de plus l'infini, ce serait quelque chose ici quelque part. Donc là, ils ont choisi de l'appeler A parce que c'est en abscisse, parce que pour les fonctions, mais ils mettent M en ordonnée en abscisse dans le programme, ça me va. Et donc si j'essaye de redétailler juste pour une fois, ça nous redonnerait encore une fois que quel que soit le voisinage de L, il existe un voisinage de moins l'infini, tel que pour X appartenant au voisinage de moins l'infini, F de X appartient au voisinage de L. Qui nous redonne en traduisant que pour tout epsilon strictement positif, il existe un A appartenant à R tel que pour tout X appartenant à moins l'infini A, on a F de X qui appartient à L moins epsilon, L plus epsilon. Et si on retraduit le fait d'appartenir à cet intervalle, ça donne cet intervalle-là. Et si on retraduit le fait d'appartenir à cet intervalle-là, ça donne cette inégalité-là. Donc c'est encore et toujours la même chose. Du coup, j'ai débordé, donc je vais la faire ici. Celle-ci, le graphe. Là, c'est une fonction qui va vers plus l'infini en moins l'infini. Donc c'est une fonction qui fait ça par exemple. Dans ce cas-là, c'est si je me donne une barrière M verticale ici, je veux trouver une barrière horizontale en A. J'ai pas fait mon axe assez long. Ma barrière en A, elle est ici. Et je veux te dire que ce voisinage-là, il va marcher pour aller vers moins l'infini. Et donc ce qui joue le rôle de mon intervalle en violet, c'est bien il existe puis un pour tout, alors que ce qui joue le rôle de l'intervalle rouge, c'est d'abord un pour tout et ensuite pas de quantificateur vu que c'est quantifié par ce qui est en violet avant. Et il nous en reste plus qu'une. Ouh! Dernière définition, le fait de dire qu'une limite d'une fonction va vers moins l'infini en moins l'infini. Donc c'est faire un graphe, bah typiquement c'est faire x cube. Je vous fais un graphe qui ressemble à x cube. Je me donne une barrière m quelconque ici. Et je dis qu'il existe bien un a qui est celui-là, à partir duquel toutes les valeurs ici mettent bien toutes les valeurs de f de la fonction qui sont ici en dessous. Et ça donne ce qu'il y a à gauche ici. Pour tout m, je suis bien dans mon tube rouge. Si
si il existe un tube violet pour lequel tous les éléments sont dans le tube violet. C'était bien, hein? Bon, il faut le faire. Non, mais est-ce que vous êtes d'accord? Il faut le faire. Enfin, il faut définir ça. Il faut définir, enfin, faut avoir ces définitions. Pour les fonctions, c'est vraiment moins intéressant que pour les suites. Pour les suites, c'est quelque chose qu'on va utiliser. On va déjà faire des exercices là-dessus. Alors, avant d'utiliser ça dans un exercice, aussi à quoi ça sert? Ça sert enfin à pu faire n'importe quoi sur les limites. Qu'est-ce que je veux dire par faire n'importe quoi? Depuis le début de l'année, je vous ai rappelé vos tableaux d'opérations sur les limites. Que la limite d'un produit, si une première suite tend vers L et si la deuxième suite tend vers L', le produit des deux suites tend vers L fois L'. C'est évident pour vous, c'est logique, je suis d'accord, mais tant qu'on n'a pas donné la définition de limite, je ne peux pas avoir officiellement cette propriété-là. Cette propriété, elle vient de la définition de limite. Et maintenant, je serai même en mesure de vous la prouver. Je vais aller assez vite là-dedans, mais comment je prouverai que une suite, par exemple, que si un tend vers r et si vn tend vers l', alors avec n qui tend vers plus l'infini, comment on prouve que unvn tend vers ll'? Ben, il faut que je montre que quel que soit l'intervalle, en gros, quel que soit l'intervalle de la forme ou quelle que soit l'inégalité de la forme unvn moins ll', faut que j'arrive à montrer que je peux trouver des quantifi. Bah alors, je peux trouver des quantificateurs pour montrer que cette quantité-là est toujours plus petite que epsilon pour tout epsilon. Mais pour ça, il faut que je trouve un rang n epsilon appartenant à n, pardon, avec pour tout n supérieur ou égal à n epsilon. Faut que j'arrive à prouver cette ligne-là. C'est ça, montrer que la limite, cette limite vaut ça. Ça revient à écrire cette ligne-là. Bah ça, c'est faisable sans trop de difficultés. En gros, ça demande quand même un tout petit peu de calcul, donc je veux aller vite, c'est pas super intéressant. Il y a une seule petite idée intéressante, c'est qu'en maths, là, il y a deux choses qui varient en même temps. Il y a un qui va vers L et Vn qui va vers L'. En maths, deux choses qui varient en même temps, c'est trop compliqué pour nous, on sait pas faire. Donc si on imagine ça comme des points, c'est comme si je regardais un point de coordonnées UnVn que j'essaye de rapprocher d'un point de coordonnées LL'. LL'. Il y a deux trucs qui varient en même temps. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a d'un côté, il y a UN qui va vers L, si c'est le pôle des abscisses, et d'un autre côté, j'ai à la fois VN qui va vers L'. Bah, en maths, on ne sait pas faire varier deux trucs en même temps, sans faire varier qu'un seul. Donc on va rajouter dans le calcul l'équivalent. Alors là, c'est si j'ai mis que les abscisses, j'ai fait varier les abscisses. Donc ça, ce serait l'équivalent du point LVN, par exemple. Ah, j'ai fait varier les abscisses, mais pas les ordonnées. Bah, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce que j'essaye de dire, c'est que cette distance-là, je veux qu'elle soit petite. La distance entre UNVN et LL'. Bah, vous connaissez normalement l'inégalité triangulaire. Cette distance-là, je vais dire qu'elle est plus petite que celle-là plus celle-là. Le plus court chemin pour aller entre deux points, c'est la ligne droite. Et moralement, ce que ça veut dire, c'est que je vais prendre cette inégalité-là et je vais forcer à apparaître dans le calcul la quantité. J'ai dit que je voulais faire apparaître LVN. Donc si je la force à apparaître, ça me fait UNVN, par exemple, moins LVN plus LVN moins LL'. Ce que je peux regrouper en deux morceaux. D'un côté, je peux le réécrire UN moins L fois VN. Et l'autre côté, je peux l'écrire L fois VN moins L'. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on peut découper en deux morceaux ce truc-là? Bon, maintenant, inégalité triangulaire, on va en reparler juste plus tard, mais de la valeur absolue, c'est ce que je vous ai dit. La distance entre deux points, elle est plus petite que la somme des deux distances quand on veut la séparer en deux. Donc ça, c'est plus petit que cette distance-là. Et le produit des valeurs absolues, c'est la valeur absolue du produit. Donc ça, c'est plus petit que ça. Et maintenant, j'ai juste gagné pour quelque chose, et je ne veux pas trop perdre de temps avec ça. Mais cette quantité-là, puisqu'on sait déjà que un tend vers L, ça tend vers 0, c'est tout petit, donc c'est plus petit que n'importe quel nombre epsilon que je veux.
Même si je veux, entre guillemets, epsilon, c'est aussi plus petit que epsilon sur deux fois, en gros, le maximum de Vn, j'exagère. Ça, c'est aussi plus... Ça aussi, je sais que ça tend vers 0, donc c'est plus petit que epsilon sur deux fois L. Et si je somme ce bout-là en multipliant par V et en multipliant par l'autre, bah, tout se simplifie. Et cette quantité-là, au global, elle est plus petite que epsilon, vu que ça fait du epsilon sur 2 plus epsilon sur 2. Ah, c'est comme ça qu'on prouve qu'une fonction théorique est continue. C'est horrible, mais c'est comme ça qu'on doit faire. Je voulais juste vous montrer que, avec mes propriétés, avec mes epsilon, je peux prouver toutes les propriétés qu'on a sur les limites et qu'on avait vues avant. Donc on va pas toutes les revoir, on va pas en reparler, mais toutes les propriétés, limite d'un quotient, limite d'une composée, limite d'un produit, limite d'une somme, toutes ces formules-là marchent bien et sont cohérentes avec la définition qu'on a donnée de la limite. Donc ça, on va pas repasser dessus dans le poly, mais par exemple, j'ai séparé les limites de suite des limites de fonctions, mais je vous ai fait une preuve là avec le quotient de la même chose bien écrite à des opérations sur les limites. Ça permet aussi de prouver que les limites sont uniques. Bah forcément, moralement, si vous avez deux valeurs de limites différentes, en prenant des tubes très très petits autour des deux limites, bah, si elle est dans un tube, elle ne peut pas être dans l'autre tube. Donc la limite, c'est unique. C'est un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure en parlant avec Samy ou d'absurde avec Kautar. Ça permet de prouver que tout de suite, qui est convergente, elle est forcément bornée. Elle ne peut pas aller à l'infini. Sinon, si elle dépasserait n'importe quelle valeur de m, on pourrait dire qu'elle tend vers plus l'infini avec les définitions qu'on a données. Donc c'est pas cohérent. Ça permet de faire plein de trucs, ces notions de limite. Ok. Faisons un exercice où ça sert. Alors, hop, je l'ai mis où le meilleur exo? On l'a déjà fait en grande partie, on va le refaire très très vite. On l'a déjà fait celui-là, on a déjà fait les questions 1 et 2 de celui-là. On va faire l'exercice 30. Oula, il y a un symbole qui n'est pas passé ici, c'est un moins 1 ici. Attention, il y a un moins 1 qui n'est pas passé ici. On avait une question de cours sur cette suite-là qui reprend moralement la question 2. Montrer qu'il existe un unique UN appartenant à 0, 1, ouvert en 0, ouvert en 1, tel que PN de UN est égal à 0. Bah on va étudier. Oula, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pour la question 1, étudions PN sur 0,1. Les fonctions qui a x donne x puissance k pour tout k appartenant, quel que soit k appartenant à 1n. Bah, sont strictement croissantes sur 0,1, vous êtes bien d'accord avec ça? On connaît nos fonctions de référence x puissance k sur 0,1, elles sont strictement croissantes. Et ma fonction, je remonte un peu, mais ma fonction c'est x plus x carré plus x cube plus x puissance n moins 1. Moins 1 c'est une constante, ça varie pas. Toutes les autres fonctions sont strictement croissantes. Par somme, cette fonction elle est strictement croissante. Par somme. J'aurais pu la dériver hein, pour montrer qu'elle était strictement croissante. Je ne voulais pas m'embêter à le faire. Ah, donc c'était pour gagner du temps. Par somme, PN est strictement croissante. De plus, PN est continu sur. C'est un polynôme si vous voulez justifier. Hein. PN de 0. Bah, ça fait moins 1 plus la somme pour k égale 0, k égale 1, pardon. À n des 0 puissance k, ça fait moins 1. Pn de 1, ça fait moins 1 plus la somme pour k égale 1 à n des 1 puissance k. Ça fait moins 1 plus n, qui est strictement positif pour n supérieur ou égal à 2. J'ai
j'ai bien mis que n était supérieur ou égal à 2 dans mon sujet, j'ai pas oublié. J'ai oublié de le mettre. Mais n est supérieur ou égal à 2, sinon j'ai un problème. Donc on a clairement que 0 appartient à l'intervalle Pn de 0. Pn de 1. Et par théorème de la bijection, il existe un unique un. On peut enlever 0 et 1 appartenant à 0 et 1 parce qu'on a vu que les valeurs c'était pas 0 pour 0 et 1, tel que Pn de un est égal à 0. Bref. On veut dire que votre élément est bien dans l'ensemble d'arrivée. On veut dire que la fonction est continue et strictement monotone. Et à partir de là, vous pouvez dire qu'il existe un unique un. Donc ça permet de dire que ce nombre existe. Et donc on vient de créer ce qu'on a déjà vu et revu plein de fois. C'est que ceci est ce que j'appelle moi une suite implicite. C'est-à-dire qu'on connaît un à travers l'équation Pn de un est égal à 0. Et le but, c'est de trouver la monotonie de la suite UN. J'aurais même pu détailler mes questions 3 et 4. Je vais les redétailler après. J'ai voulu aller vite quand j'ai fait mon exo. J'aurais pas dû. Question 2. Calculer PN plus 1 de UN et montrer que la suite PN est, que la suite UN est décroissante. Donc PN plus 1 de UN. C'est moins 1 plus la somme pour k égale 1 à n plus 1 des un puissance k. Alors je l'avais fait en trois petits points à l'époque, je vais le faire ici. C'est moins 1 plus un carré. À la fin j'ai du un puissance n plus un puissance n plus 1. Sauf qu'il faut se rendre compte que tout ce nombre là, ce petit nombre là, ça c'est Pn de un. Et donc Pn de un, ça fait 0. Donc au final ma quantité elle est égale à un puissance n plus 1, elle est donc strictement positive. Car on sait que un appartient à 0,1. Alors, maintenant qu'on sait ça, on repart de ça. Il faut que vous soyez capable de faire quelque chose. Qui sait comment on prouve la monotonie à partir de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer ce 0. Mais il faut remplacer ce 0 par quoi? Athénaïs? Oui. Ça, c'est P de, de n plus 1 de un plus 1. Ce qui est important, c'est juste de mettre la même fonction ici et ici. Après, à savoir comment ça se complète, mais du moment que vous avez la même fonction des deux côtés, ce que vous pouvez dire, c'est que cette équation, maintenant, elle est équivalente parce que Pn plus 1 est strictement décroissante. On doit donc inverser les inégalités. Elle est équivalente à dire que Un est strictement plus petit que... j'ai un problème. Elle est croissante, cette suite. Pourquoi j'ai mis décroissante? C'est moi qui ai fait une faute. Je l'ai recopié vite ce sujet d'exo. Mais je m'étais dit qu'il était bien pour la suite. Pn de 1/2, excusez-moi. Si je coupe un des gâteaux, j'en ai un. Pn de 1/2. Pas possible qu'elle soit croissante cette suite. Mais non, la fonction Pn plus 1 n'est pas strictement décroissante, je suis bête. Pardon. Excusez-moi, elle est strictement croissante cette fonction. Pourquoi j'utilise le fait qu'elle est strictement décroissante? Elle est strictement croissante, ça va mieux.
Ce qui, bien sûr, c'est équivalent à dire que la suite UN est décroissante. Bon, ça, on l'avait déjà fait. Je l'ai refait très rapidement. Je sais que ça a été vite, mais je l'ai fait rapidement parce que ça a été déjà fait. On n'avait pas été plus loin dans cet exercice. On n'avait pas été plus loin dans la monotonie. Je vais légèrement modifier les questions de mon énoncé pour essayer que ce soit vous qui trouviez les valeurs. Alors la 3, c'est moi qui vais quand même la faire. Je vous demande de calculer Pn de 1/2. Alors Pn de 1/2, c'est moins 1 plus la somme pour k égale 1 à n des 1/2 puissance k. J'ai pas envie de perdre trop de temps sur le calcul, mais moralement, ça c'est une somme de géométrique. Alors attention, votre somme de géométrique, elle commence officiellement dans le cours à k égale 0. Celle-là, elle commence à k égale 1, donc on peut faire un petit châle rapide, mais rajouter le terme en 0 et l'enlever. Mais le terme en 0, il vaut 1. Donc si je fais ça, ça revient à faire du moins 1. Je vais faire plus la somme pour k égale 0 à n des 1/2 puissance k et je vais faire un moins 1/2 puissance 0 pour compenser. Et maintenant que j'ai fait ça, ça me fait du moins 2. Bah là après il faut appliquer la formule, ça fait du 1 moins 2. Ah, 1 moins 1/2 puissance n plus 1 sur 1 moins 1/2. Ce qui fait du moins 2. Je vais l'écrire comme ça, faut pas que ça me gêne. Oula. Et le ça me fait du 1 sur 1/2. Et du 1 sur 1/2, ça me fait du 2, donc je détaille un tout petit peu, mais ça me fait du moins 2 plus 2. Et si je développe. Moins 2 fois j'ai été un peu vite en calcul. Je vous laisse le refaire s'il faut. Mais Pn de moins 1, de 1/2, ça fait moins 1 sur 2 puissance n. Et pourquoi ça m'intéresse que Pn de 1/2, ça fait moins 1 sur 2 puissance n? Parce que ce nombre, il est strictement négatif. Alors là, je modifie vraiment la question de mon énoncé. Jusque-là, et même avec cette question-là, j'aurais pu vous le donner avant le cours d'aujourd'hui. De ça, je peux complètement vous faire en déduire que la suite UN est convergente. Qu'est-ce que je cherche à faire? Et là, je veux que ça vienne de vous. Toujours la même chose. J'ai prouvé la monotonie de la suite, elle est décroissante. On me fait faire une question un peu intermédiaire, je ne comprends pas trop quel est le but. Et derrière, c'est en déduire que la suite est convergente et on ne me parle pas de la valeur de la limite. Qu'est-ce qu'on cherche à me faire faire? Amélie? Alors, si elle est décroissante, voilà. Hugo, on cherche donc. Et il faut l'énoncer, donc il va falloir le dire. On va chercher à appliquer le théorème de la limite monotone, c'est juste ça. Donc il faut se servir de la question 3 pour appliquer le théorème de la limite monotone. On vient de dire que Pn de 1/2, c'est strictement négatif. Un peu comme l'a fait Athénaïs tout à l'heure, on va se servir d'une strictement négatif en disant que ce 0, c'est juste Pn de un. Donc, puisque Pn est strictement croissante, ça, c'est équivalent à écrire que un est toujours strictement plus grand que 1/2, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Donc, la suite un est minorée et décroissante. Par théorème de la limite monotone, elle est convergente.
Voilà, je voulais juste le rajouter, il nous sert à rien parce que là, ce que je veux, moi, c'est trouver la valeur de la limite. Alors, pour ça, ceci, mon exo est mal fait. Pourquoi mon exo est mal fait? Parce que je l'ai trop bien fait, et c'est ça qui est dommage. Non, non, mais je reprends la question 3. Calculez-moi PN de 0, PN de 0 fait moins 1. Je fais une petite parenthèse. Donc j'aurais pu aussi prouver que PN de 0, ça fait moins 1, qui est strictement négatif, et ça je dis que c'est PN de UN, et j'aurais pu montrer que UN était strictement plus grand que 0 du coup. Vous êtes d'accord avec ça? Juste pour vous montrer quelque chose. Si j'avais fait ce qui était en rouge, vous m'auriez dit, sans avoir de preuve, que la limite de la suite, ça aurait été quoi? Vous auriez dit que ça aurait été 0. Mais vu que ce que j'ai fait en question 3 et 4, là, en fait, maintenant, la limite de la suite, vous êtes en train de me dire qu'elle vaut 1 demi. Donc ne pas confondre, et on va en reparler juste après, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, le fait que la suite est décroissante et minorée, donc elle va avoir une limite, et le fait que la limite est minorant. Ce n'est vrai que si vous avez trouvé le minorant optimal, entre guillemets. Ce qu'on va appeler dans quelques minutes la borne inférieure de la suite. Mais si vous n'avez pas trouvé le meilleur minorant, vous ne savez pas si elle converge vers ce nombre. Donc ici, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai mal fait mon exo. 1 demi, c'est vraiment le bon minorant. Donc c'est vraiment la limite. Comment on va le prouver? Ben c'est là, on va revenir à l'exercice et ce qu'il demande. La question 4, je l'ai rajoutée. Ce que demande l'énoncé, c'est de maintenant calculer Pn de 1 demi plus epsilon pour epsilon strictement positif. Bah, allons calculer Pn de 1 demi plus epsilon maintenant. Pn de 1 demi plus epsilon, bah, comme tout à l'heure, c'est moins 1 plus la somme pour k égale 1 à n. Des 1 demi plus epsilon puissance k. Je refais mon châle rapidement, vu que c'est le deuxième calcul un peu similaire. Ça va me faire du moins 2 plus la somme pour k égale 0 à n des 1 demi plus epsilon. Oula. Ce qui me fait du moins 2 plus. Pas puissance k, puissance n plus 1, excusez-moi. Ah, si je mets tout au même dénominateur et que j'inverse, ça va me faire du 1 demi plus 2 epsilon. Ça va me faire du 2 sur 2 plus epsilon. Non, c'est faux, c'est sur 1 plus epsilon, excusez-moi. Bon, je vais un peu vite sur les simplifications, mais j'ai juste mis le haut dénominateur, tout au même dénominateur, et je l'ai remonté. Ça me fait ceci. Pourquoi ça simplifie pas bien cette horreur? Alors, je vais me retrouver avec un moins. Je vais tout mettre en. Je vais regrouper ces deux termes-là ensemble. Celui-là et celui-là, je vais les regrouper ensemble. Si j'essaye de faire ça va me donner quoi ici? Si je mets tout au même dénominateur, ça va me faire du 1 plus 2 epsilon. J'ai du 2 d'un côté, et de l'autre, je vais avoir du moins 2 facteur de 1 plus 2 epsilon. Et le terme qui va me rester dernière, c'est un terme un peu horrible, c'est du 2 sur 1 plus 2 epsilon.
Alors, donc j'ai bien mon moins 2 plus 2, j'obtiens du moins 4 epsilon. J'ai un problème, c'est tout le temps négatif cette horreur. Alors j'ai un problème, c'est que j'ai que des termes négatifs ici. J'ai été trop vite. Ah oui, j'ai été trop vite. J'ai été trop vite à ma mise au même dénominateur. Il y a une faute. C'est pas 1 plus 2 epsilon. Si je mets ça au même dénominateur, ça me fait du 2 moins 1. Mais en fait, j'aurais dû bien développer. Ça me fait du 2 moins 1 moins 2 epsilon sur 2. Ce qui, en simplifiant, fait du 1 moins 2 epsilon sur 2. Je me sens mieux. Donc ici, c'est du 1 moins 2 epsilon. Qui change le calcul ici quand je remets au même. Ça fait du 1 moins 2 epsilon ici. Et les dénominateurs, bien sûr, sont à réécrire aussi. Désolé pour l'erreur de calcul, ça m'intéresse même pas trop. C'est plutôt que j'avais besoin de ceci. J'ai oublié de rechanger mes dénominateurs. Ok. On va comprendre à quoi ça sert. Ce qui m'intéresse, c'est le signe de cette quantité. Le si, pour pouvoir la comparer à Pn de Un. Le signe de cette quantité, elle est absolument pas simple à trouver. Alors, elle peut être simple pour certains morceaux, notamment si je prends epsilon, pas écrire en rouge, mais si je prends epsilon strictement positif, vu que c'est demandé, mais strictement plus petit que 1/2, on a clairement 1 moins 2 epsilon, ça c'est un nombre strictement positif. Donc le dénominateur de mon calcul, il est strictement positif. Par contre, le numérateur, est-ce qu'on connaît le signe de ça? Samy? Oui. Ok, donc par amorce, c'est vrai qu'on pourrait le faire. Ok, ça dit comme ça m'irait. J'ai même pas envie de m'embêter avec ça, mais c'est positif. Enfin, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Moi, ce que j'aurais fait, c'est un truc beaucoup plus. J'aurais juste fait la limite de ça quand n tend vers plus l'infini. Bah ça tend vers 4 clairement, vu que 1/2 plus epsilon est strictement plus petit que 1, et donc c'est une suite géométrique qui tend vers 0. Donc ça tend vers 4. Si ça tend vers 4, à partir d'un certain rang, c'est positif. Donc ce que je suis en train d'écrire, juste en disant ça, il existe un rang epsilon, à partir duquel, quel que soit n supérieur ou égal à n epsilon, j'ai 4 moins, enfin j'ai Pn plutôt, j'ai Pn de 1/2 plus epsilon qui est strictement positif. Et ça, je rappelle que c'est Pn de Un. Donc en fait, ce que je viens de dire, c'est que, et ça, au tout début de ma question, j'ai fixé un epsilon strictement positif, plus petit que 1/2, mais ça, c'est pas gênant du tout. Donc pour tout epsilon strictement positif, il existe
un epsilon, tel que pour n, pn de 1 demi plus epsilon, c'est positif et c'est plus grand que pn de un. Donc je rappelle que ça, parce que pn est strictement croissante, ça donne que 1 demi plus epsilon est plus grand que un. Et on a déjà prouvé que un était plus grand que 1 demi. Donc je viens de montrer que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un certain rang n epsilon, tel que pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, j'ai un qui est compris entre 1 demi et 1 demi plus epsilon. Qu'est-ce que je viens de prouver? Ouais, je viens d'écrire la définition de la limite de un tend vers 1 demi. Ça, c'est équivalent à écrire que un tend vers 1 demi quand n tend vers plus l'infini. Voilà un exo dur, hein, soyons clairs, on savait le faire depuis le début de l'année cet exo, mais pas pour la valeur de la limite. La valeur de la limite, je ne sais absolument pas vous faire la limite de cet exo, la valeur, sans utiliser cette technique-là. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir la vraie définition de la limite pour la trouver, la limite de cette suite. On peut prouver par le théorème de la limite monotone, ce qu'on savait faire avant, qu'elle était convergente, mais prouver que la limite est 1/2, je ne pouvais pas vous le faire faire. Donc c'est à ça que servent ces définitions super lourdes. C'est que bah, parfois un calcul, ici, juste dire ce calcul est positif. Ah mais mon équation implicite, elle fait que si ce calcul est positif, j'ai un encadrement de ma quantité. Bah, ça prouve la définition de la limite. Est-ce que ça vous va sur l'intérêt d'avoir ces définitions et comme quoi on n'a pas le choix, on est obligé de les avoir? Bon bah si cet exo a fait ça, c'était le but d'aujourd'hui et je suis content sur ça. Il y en a d'autres des exos comme ça. Il y en a dans le poly. En 10 minutes, je ne sais pas si j'ai le temps de vous en faire un autre. Là, non, c'est plutôt sur le théorème. Alors. Comme il me reste que 10 minutes, je le fais juste après si on a le temps. Alors. Ça ressemble à votre DS d'il y a le dernier DS de 4 heures qu'on a fait. Je vous donne une suite UN qui est la somme pour k égale à 1 à n des moins 1 puissance k plus 1 sur k puissance x. Merci. La question 1, on la fera que si on a le temps d'un point de vue calculatoire avant. C'est aussi une variante d'une question de cours qu'on a déjà. Maintenant que je vous ai donné cette suite qui est définie par cette somme, on vous demande de montrer que les suites U de P et U de P plus 1 sont adjacentes. Je rappelle qu'il suffit de montrer que l'une est croissante, l'autre décroissante et que la différence des deux tend vers 0. Je vais juste en profiter pour vous rappeler aussi autre chose. Si je veux faire la croissance de U de P par exemple. Alors est-ce que c'est celle-là qui est croissante? U1 ça vaut U1 c'est positif et U2 j'enlève à U1 quelque chose donc la suite U2 est plus petit que U1 donc c'est forcément la suite des paires qui est croissante. Imaginons que je vous demande de montrer que U de P et P appartenant à N est croissante. Qu'est-ce que je vais aller embêter? Auxances. Quel calcul je fais pour essayer de montrer que cette suite U de P est croissante? Alors écris-le moi. K égale 1, je t'aide, et c'est la bande du haut qui m'intéresse. Ah, donc c'est bien ça. Donc tu m'as bien fait ici du 2p plus 1 comme ça.
moins u de p. On est tous d'accord sur ça? Attention. Ah, donc il faudrait faire ça, ce qui veut dire qu'à la fin, après votre châle, il va rester deux termes dans la somme pour ce truc-là, il va en rester deux pour l'autre. Et... Enfin, c'est un calcul classique qu'il faut mener, on est d'accord que je ne vais pas refaire tous les calculs, mais qu'on sait faire. On l'a déjà vu. Ah, donc on peut montrer que ces deux suites sont adjacentes, puis en déduire qu'elles convergent vers une même limite notée S de x. Ça, c'est le théorème des suites adjacentes. Si deux suites sont adjacentes, elles convergent vers la même limite. Qui s'appelle L, ici, décide de l'appeler S de X. Moi, ce qui va m'intéresser, maintenant qu'on a reparlé de ça, c'est en déduire que pour tout epsilon strictement positif, il existe un N0 appartenant à N étoiles, tel que pour tout N supérieur à N0, Un-Sx est plus petit que epsilon. Qu'est-ce qu'il cherche à vous faire prouver ici? C'était vraiment une question bête pour dire est-ce que vous connaissez votre définition de... Noix. Ça, c'est équivalent à dire qu'il faut prouver que un tend quand n tend vers plus l'infini, vers s de x. C'est ça qu'il vous demande. Or, et là maintenant pour vous c'est encore plus simple, c'est que on sait que u de p tend quand p tend vers plus l'infini vers S de x. On sait que U de P plus 1 tend quand P tend vers, plus infini vers S de x. Maintenant, ça c'est du cours pour vous. On sait du coup par convergence des suites des termes pairs et des termes impairs que la suite tend vers S de x. Par convergence des termes pairs et impairs, et c'est tout. Donc cette question qui avait l'air horrible, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous faire faire? Et donc maintenant, vous n'avez pas fini la question. La question, c'est maintenant, par définition de la limite, pour tout epsilon strictement positif, il est à n0, et là, vous avez juste réécrit votre définition de la limite. Oui, Amélie? Si on a un objet comme ça, et que, par exemple, on n'a pas réussi à faire la 1, en fait, on sait très bien qu'au niveau de la 1, on devrait trouver qu'elles sont adjacentes. Mais bien entendu, chaque question est indépendante, enfin indépendante des autres, c'est-à-dire que tu as le droit d'utiliser le résultat qui est écrit noir sur blanc dans les questions précédentes pour faire les suivantes, bien entendu. N'allez pas passer un exo parce que vous ne savez pas faire la question 1. Ça n'a pas de sens. Voilà pour ça. Les questions d'après, c'est des questions plus techniques, enfin c'est des questions qui ont plus à voir avec les suites adjacentes, qui ont plus à voir avec la notion de limite. Est-ce que j'ai le temps juste de vous montrer? On va revoir des trucs sur la partie entière, mais regardez juste l'énoncé de l'exercice 22. Bon, la question 1, on verra comment la faire, soit lundi, soit mardi, on verra. Montrer que la partie entière de x racine de n, c'est équivalent quand n tend vers plus l'infini à x racine de n. Ça, c'est des classiques des trichomes parce que moralement, vous avez au programme les variables aléatoires discrètes qu'on a déjà faites. Et après, vous avez les variables aléatoires continues. Et en gros, avec trichom, c'est... je trouve que les sujets écrichom sont souvent les plus techniques parmi les trois entre mLyon, EDEC et écrichom. Parce qu'ils se font un malin plaisir très souvent à faire des limites de variables discrètes qui tendent vers du continu. Et il faut passer avec des trucs en partie entière auxquels on enlève la partie entière. Et ça mène à des trucs horribles comme ça. Je veux juste qu'on réfléchisse à la question 2. En déduire qu'il existe un rang grand N à partir duquel, pour tout N plus grand grand N, partie entière de X sur racine de N est plus petit que N sur 2. Qu'est-ce qu'il cherche à nous faire faire? Oula. Alors la question ici est tordue parce que, tiens je peux la prendre quand même, parce qu'il y a du n des deux côtés. Hop. La question est tordue parce qu'il y a du n des deux côtés. Si je la réécris,
En déduire, il existe grand N tel que pour tout N supérieur ou égal à grand N. Et là, je vous réécris partie entière de x sur racine de N divisé par N est plus petit que 1 demi. Qu'est-ce qu'il cherche à vous faire dire? Noix? Pas vers moins l'infini. Pas besoin de même pas un demi, non? Le 1 demi, c'est le. En gros, est-ce qu'il manque encore quelque chose à cette définition de la limite? Il manque, vous êtes d'accord, au début, il faudrait pour une limite avoir un. Pour tout epsilon strictement positif, je vais être clair. Ils l'ont posé en fait, leur epsilon. Ils l'ont posé égal à 1 demi en fait. Non, c'est pas du moins l'infini. Ce qu'ils veulent utiliser, c'est juste que oui, c'est quoi la limite de ça? Et j'arrêterai là. Bah, d'après l'équivalent du dessus, et puisqu'on a le droit de faire des quotients, ça fait du x racine de n sur n. Ça fait donc du x sur racine de n en simplifiant les puissances. Et ça, quand n tend vers plus l'infini, quel que soit x, on s'en fiche. Ça tend vers 0. Donc, puisque la limite de ça, c'est 0, si on écrit la définition avec epsilon égale 1 demi, ce qu'on obtient, c'est ça moins 0 plus petit que 1 demi. Sauf que la quantité, elle est positive. Donc, mettre valeur absolue moins 0 d'une quantité positive, c'est mettre la quantité. Et donc, on obtient exactement la définition. Encore une fois, c'est une question dure de... Si vous, il faut reconnaître qu'il faut appliquer la définition de la limite. Moralement, tout ce que je veux que vous reteniez, c'est si on vous demande de trouver qu'il existe un rang n à partir duquel quelque chose est vrai, c'est il faut arriver à écrire la définition de la limite et apprendre les définitions de limite qu'on a vues aujourd'hui. C'est tout. On arrête là.